Ce n'est pas une chanson pour vous répondre à une question. Non, pas tellement. Je fais une chanson pour chanter. Chanter un peu comme un oiseau, encore que je chante moins bien qu'un oiseau. Pour chanter, ou pour danser avec des mots, si vous voulez. C'est ma façon de danser, moi qui ne sais pas danser, qui n'aime pas tellement la danse. Je fais danser les mots, ça me fait vivre. C'est un peu, il faut bien le dire, une espèce de musique quand même, voyez là. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Le rameau d'olivier n'est pas notre symbole, non. Qui manque aux amputés de leurs bijoux de famille, c'est pas d'être hors d'état d'aimer leur femme, crénom de nom, mais de ne plus pouvoir sabrer les belles ennemies. La colombe de la paix, on la prête aux petits oignons. Quand un autre est passé, s'ils ont tous l'âme en peine, c'est pas d'être hors d'état de mourir d'amour, crénom de nom. Mais de ne plus pouvoir se faire oxyre à la prochaine. Au monument aux morts, chacun rêve d'avoir son nom. La musique qui marche au pas, la musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Voyant ces braves Pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore. Sous la forme de Maccabée, de la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hippipipoura. Frénétique, l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garoguerie. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle ce qui passe à sa portée. Il tombe, 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 et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leur victime avait eu leur compte en deugnon, ces furies comme outrage ultime en retournant à leurs oignons. Ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas. Leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas. Je pousse en liberté, je pousse en liberté, je pousse en liberté dans les jardins mal fréquentés. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre, et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi, avec un soupçon de réserve toutefois. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
hante. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Demain, je n'y pense pas trop. C'est... En réalité, j'ai l'impression de vivre depuis quelque temps dans l'instant. Oui. L'avenir du monde, par exemple, vous touche, vous trouble, vous inquiète ou... Bien sûr, l'avenir du monde me trouble. C'est certain. Il faudrait être complètement sourd et aveugle pour ne pas être inquiet. Être touché par tout ce qui se passe dans le monde. Mais là, je n'ai pas de solution collective. Moi, alors là, j'ai les bras m'entendent. Je suis désarmé. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour sauver le monde. Je l'ai su. J'ai cru le savoir. Il y a une quinzaine, une vingtaine d'années maintenant, je ne sais plus. J'ai même peur qu'il n'y ait pas tellement de solutions. Qu'est-ce qui est le plus grave dans l'avenir du monde pour vous? Ne parlons pas de problèmes de cataclysmes guerriers, etc., mais simplement un certain monde nouveau, les hommes ne vivront pas. Ben, celui qui est peut-être plus grave, c'est que l'homme perde son individualité, son espèce de liberté. Je parle de la liberté individuelle, la petite liberté que nous avons encore un petit peu, quoi, cette espèce de liberté de penser tout seul, même de penser qu'on va se raser de telle manière, qu'on va se peigner de telle manière, alors qu'aujourd'hui, il semble que cette liberté soit complètement réduite à néant, quoi. Il semble qu'on n'achète pas un paquet de cigarettes, qu'on n'achète pas une pipe, qu'on n'achète pas une corde de guitare ou une boisson quelconque, sans avoir été, pour employer un mot que je n'aime pas beaucoup, conditionné par tout ce qui... C'est une espèce de groupe qui vient autour de nous et qui nous crie ça aux oreilles. Il faut boire ça, il faut faire... Je crois que c'est ça le plus grave. C'est que l'homme est en train de disparaître en tant qu'individu. Enfin, il n'est pas dit que ce soit définitif, ça, mais en ce moment, ça en prend bien le chemin. Regardez, autrefois, vous voyez les femmes. Quand une femme était belle, elle était belle toute seule. Aujourd'hui, vous rencontrez une femme qui est très belle, vous lui donnez rendez-vous, le lendemain, c'est une autre qui vient, vous ne faites pas la différence. Elles ont les mêmes yeux, le même regard, le même déhanchement. Elles sont chaussées de la même manière, elles ont le même timbre de voix. Elles ont la même couleur de peau. Elles ont reçu les mêmes rayons ultraviolets. Tout le monde se ressemble. Et tout le monde souhaite se ressembler. Fâcheusement, aujourd'hui, de plus en plus, oui. Il semble bien que la plupart des hommes n'aient pas besoin d'être différents les uns des autres, alors que ce qui est important chez un être auquel... Chez un autre que soi-même, c'est des différences. Ce qui peut nous plaire dans un autre, c'est qu'il est différent de nous. Il semble que les hommes n'en aient plus besoin. Mais peut-être même, est-ce par accident qu'ils ont été différents les uns des autres? Parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'être autrement. Dans vos chansons, vous avez l'impression aussi peu que ce soit d'apprendre quelque chose peut-être à ceux qui vous entendent et de les écarter justement de ces dangers dont nous parlons. Ceux qui ont besoin d'un professeur, comme disait l'autre, en cas ne pas s'en mêler, non, je ne pense pas apprendre grand-chose à quiconque. Je pense par mes chansons arriver à faire passer des moments agréables à des hommes, mais c'est quand même pas rien ça. Ça a une assez grande importance. Il y a peut-être une manière, quand même par ces chansons que vous appelez tristes, que je n'appelle pas tristes, de leur apprendre le bonheur. Si vous voulez, quand vous chantez une chanson à
à un être et que cette chanson lui plaît, qu'elle lui donne 5 minutes agréables ou 10 minutes, hein, c'est bien. C'est bien, vous l'avez quand même aidé, quoi. Vous avez enlevé un peu de son ennui, de son chagrin, de ses soucis. Je trouve que c'est bien. C'est pas tellement commode, vous savez, d'avoir, hein, une espèce d'influence heureuse sur les autres. C'est pas tellement courant, quoi. On a de la chance quand on fait des chansons qui vous suscitent de telles, qui vous valent de telles, disons, des éloges, quoi, parce que des tas de gens viennent me trouver et me disent que grâce à mes chansons, la vie leur paraît plus agréable. Ils exagèrent peut-être, mais enfin, du moins qu'ils le pensent, c'est que c'est sûrement un peu vrai. Et j'estime qu'ayant fait ça, j'ai déjà fait pas mal. Parce que souvent, on m'a reproché de ne pas m'être engagé plus avant, mais engagé vers quoi? Vous savez, c'est très difficile. Et je trouve que si j'apporte un peu de bonheur à quelques individus, même un bonheur qui ne va pas très loin, une petite joie passagère, j'estime que j'ai pas démérité de l'humanité.